Mes amours, je vais vous dire quelque chose, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'étais au téléphone avec ma mère là. Et genre, j'ai des taches dans le corps. Regardez, attendez. Vous voyez, celle-là, attendez. Celle-là, celle-là. Et j'en ai 2-3 dans le dos. Alors j'appelle ma mère, je lui envoie une photo. Je lui dis, maman, c'est quoi? Elle me dit, c'est des champignons. Ça veut dire, mais je suis pas une crasseuse, j'ai des champignons dans le corps. Alors que je me lave tous les jours. Pourquoi? Mais je me lave bien, tous les jours, je me lave tous les jours. Et j'ai des champignons. Je suis pas une crasseuse. Je suis au bout de ma vie. Et là, le pire, c'est que ma mère, elle m'a dit, il faut que tu ailles chez la dermato. Sauf que là, on est confiné. Je sais même pas s'il y a des dermatos. Je suis au bout de ma vie. Mais je comprends pas les champignons. Ça veut dire c'est quand t'es sale. Genre, un champignon, c'est sale. Quand tu as des champignons, par exemple, dans un mur, c'est que le mur, il est sale. Moi, j'ai des champignons sur le corps, alors que je suis propre, je me lave tous les jours. Je vous jure. Jamais je pue, jamais je transpire, tous les jours, je me lave. Je suis au bout de ma vie. Ça veut dire que mon corps, il est infecté. Ça veut dire que je peux peut-être mourir si mon corps, il a des champignons. Parce qu'un mur, quand il a des champignons, il est moisi. Ça veut dire que je suis moisi. J'ai le corps, il est en train de moisir. J'ai des champignons sur le corps. Je sais pas si je peux les attraper si tu t'approches de moi. Pas ou quoi? J'ai le corps, il est en train de moisir. Moi, je vais pas moisir non plus. Mais on fait comment? Mais on fait comment? J'ai des champignons. Mais du javel, ça va tuer. Javel, ça tue tout. Ah ouais? Pchit, pchit. Non, mais mets-en dans un coton alors. Viens, on essaye sur ce champignon. Vela, c'est un champignon. Ouais. Mais, ouais. Désolé. Vas-y, mets un peu de javel. Mais fais attention, mon peignoir à Versace. T'es sûr? Attends, je me déshabille. Mais un petit peu, hein. Un petit peu. Et tu mets pas sur mon peignoir. Okay. Attention que ça transperce pas. C'est bon? Tu es sûr que ça va partir? Je pense. Vas-y, maman, la javel. Moi, je vais regarder là. La télé, il y a les Marseillais. Ok, Firibox, allume la télé. Voilà, ça va me changer les idées de mes champignons. J'allume la télé. Ok, Firibox, mets la 9. Ouais, ma télé, elle est magique. Ok, Firibox. Rachel, désolé, je vous interromps, mais... Ok, Firibox. Tu voulais me parler à propos d'une sorte de voyage? Voilà, c'est maintenant sur W9. C'est trop fort, là. Tu fais quoi, ma vie? C'est mon café. C'est toi, café? Tu fais des pancakes? J'ai une salade. C'est ton café? C'est mon café. C'est ton café? C'est mon café. Et des briques? Et des briques et des. Brochettes. De azouk. Azouk. Et moi j'ai des champignons. Moi je me suis calmée parce que ma mère elle m'a dit que ça va guérir. Et que j'ai mis de la javel partout. Et mes amours, ce soir il y a l'épisode inédit des Marseillais. Vous verrez si j'ai un bébé ou pas dans le ventre. Mais sachez que je faisais que dormir, je faisais que manger, j'avais grossi, mes seins ils avaient explosé. Faut regarder. Toujours Akram il m'a mis sur chaque champignon, je crois que j'en ai 4 ou 5, il m'a mis partout la javel. Voilà, après on a attendu que ça sèche et j'ai remis mon peignoir. Et en attendant que j'aille chez la dermato, j'espère qu'avec la javel ça va partir. Hein.